Originaire de Tourcoing où il passe toute sa scolarité, Guy Lecluse se destine très jeune à l'animation. Il passe son BAFD à Bouvigny puis se forme à l'animation de jour. Du 28 septembre 1981 au 28 février 1982, à l'Institut National d'Animation et de Communication, INACOM, de Courbevoie où il aura pour professeur d'animation radio Patrice Arditi. Après une sélection à l'hôtel Casamia situé Ordino en Andorre, il est retenu par InClub, un voyagiste, et fait une saison comme animateur de jour dans un hôtel club en Tunisie. Revenu en France, il débute au Café Théâtre sur les planches du Petit Casino avec Pascal Selem dans Nous, on s'aime. Stéphane Collaro lui met le pied à l'étrier du petit écran, en le faisant passer derrière le bar du Bébête Show. Il enchaîne par la suite téléfilms, publicités, séries et autres émissions de divertissement. En 1992, il joue dans la série télévisée Les Années FM. Il fait les beaux jours de la classe en duo avec Jean-François Derec. Il est plusieurs fois à l'affiche au point virgule avec Jean-François Derec sous la production de Jean-Marie Bigard et dans son propre spectacle « Jésus pas inquiet ». Co-écrit et mis en scène par Jean-Marie Bigard et Jean-Jacques Devaux en 2004. Il joue au théâtre à la Comédie Comartin dans « Quand la Chine téléphonera » de Patricia Levray, mis en scène par Jean-Jacques Devaux en 2003. En 2006, il joue une série pour enfants La Famille Croc avec Sophie Planète et Thomas Doucet. En 1995, il prête sa voix pour le jeu Motus présenté par Thierry Beccaro puis, un an plus tard, pour le jeu Qui est qui, présenté par Marie-Ange Nardi, mais aussi pour le jeu Facile à chanter du 19 avril 1999 au 19 mai 2000 présenté par Pascal Brunner. Il fut également voix off pendant plusieurs années pour l'émission M6, présentée par Mac Lesguy, se mettant même en scène dans quelques reportages. En 2008, il joue notamment dans le film français le plus vu en salle, Bienvenue chez les CHTI. Il enchaîna depuis les rôles dans de nombreuses productions. Début 2011, on le retrouve dans la publicité In a Divided World, Coke Unit, de Coca-Cola, pour le Super Bowl XLV. Depuis 2011, il incarne Michel Fontella, le père d'Adam et Ève dans la série télévisée Soda.